Nous savons qu'à nous déranger, et bien c'est avec ça nous faut nous marcher, nous qu'à marcher. Nous déranger problème à l'eau là, nous déranger problème au chômage, nous déranger problème à la jeunesse en nous qui n'a pas trouvé travail, nous déranger en l'hôpital. Mais là nous qu'à marcher, faut nous ranger, faut nous marcher en pensant aux résultats et pas à tout ça qui est négatif qui a existé là. Nous j'ai sa vie. C'est la positivité qu'il faut nous mettre à dedans. Donc, faut nous marcher avec le résultat en tête. Pour nous dire que l'obligation vaccinale, il y a voté ici nous. Mais il faut nous marcher avec le positif. Pour ça, arriver, pour ça, arrêter. C'est comme ça que nous marchons en conscience. Pour ça, pour qui on va marcher. Mais vous, ces résultats-là, on veut. Et résultats-là, ça nous veut. C'est l'annulation de l'obligation vaccinale. C'est de l'eau propre dans les robinets. C'est. Pour manger à des prix raisonnables, c'est mettre essence à des prix raisonnables en voiture nous pour nous fonctionner. C'est acheter gaz à des prix raisonnables pour nous faire manger pour nous, pour Timoun en nous. C'est manger des mangers sains. Arrêter de mettre des cochonnies encore en nous. Arrêter de boire cochonnies. C'est très, 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 très important. Et madame, je sais que le rôle à autres, c'est ça aussi. Les Timoun ont dit aux mamans, je veux manger McDo. Aujourd'hui, il n'y a pas McDo. Aujourd'hui, c'est dachine, c'est ziyam, c'est fruits à pain, c'est patates douces, c'est sans sauver. Arrêtez d'acheter cochonnie bâtiment azote. Local, consommer local. C'est important, hein? Parce que nous avons dit souvent, mais nous n'avons pas appliqué. À part dire de temps en temps, pas arrêter d'acheter achetons petit cochonnie. Mais on ne peut pas manger cochonnie matin, midi et soir. Matin, midi et soir, 7 jours sur 7, 31 jours sur 31 jours, 12 mois sur 12 mois. Voilà. Thank you.
voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On est mouillé comme pas possible. Mais c'était sympa. Et c'était pour la bonne cause.